La signature d'un nouveau contrat de mandat faisant foi à la relance des activités de la supervision du Conseil congolais des chargeurs au Cameroun a constitué le point de mire de la mission du directeur général de cette structure au Conseil national des chargeurs du Cameroun. La mission du Cameroun, plus euh, précisément à Douala, c'était une recommandation du Conseil d'administration euh, pour aller effectivement revisiter le contrat de mandat entre... Euh, le Conseil congolais des chargeurs et le Conseil national des chargeurs du Cameroun. Peu avant ce moment, cette délégation a eu droit à la visite guidée des structures du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Je dois vous dire que pour les besoins du benchmarking, ça nous a permis finalement de regarder ce que font les autres. Un bel exemple de coopération qu'il faille renforcer, surtout en cette période de crise économique et sanitaire qui affecte les économies fragiles de la sous-région.